je pense que c'est important parce qu'il y a tout à Paris. C'est à chaque fois on se dit oui, il faut que j'aille à Paris pour apprendre telle et telle chose. Aujourd'hui, ben, enfin quelque chose dans le sud. Voilà, donc je suis parti de cette idée. J'ai dit allons-y, on monte à Montpellier et on monte à Nîmes. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre dans votre école ? Et on va apprendre à monter, on va apprendre à écrire des scénarios, on va apprendre à gérer sa chaîne YouTube, on va apprendre à utiliser Facebook, on va apprendre à être Instagrammeur, à gérer ses Snapchat, enfin tout ce qui va être plateforme vidéo et tout ce qui va être réseaux sociaux. C'est parce que font beaucoup de YouTubeurs, il y a trop d'amateurs, mais il manque des fois un petit truc qui fait qu'on fera le buzz ? Ben, il manque souvent beaucoup de choses en fait. Soit ils ont un talent monstre, mais c'est le montage qui ne fonctionne pas, donc du coup ben, beaucoup moins d'abonnés, les vidéos ne sont pas virales, c'est ce qui va se passer. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont derrière qui se disent « Ah ben moi, je suis sur YouTube, ça suffit. » Alors que ce n'est pas vrai aujourd'hui, il faut tout utiliser. Facebook, Instagram, il faut être de partout. Et on va vous apprendre vraiment à monter tout cet ensemble-là avec des coachs de qualité qui vont être là. Grégory Santer qui sera là, qui est le réalisateur de scènes de ménage. On va avoir Jean-Pierre Palomar qui, lui, était le vidéaste pour Thalassa. Et puis, beaucoup de YouTubeurs qui vont venir faire des masterclass. Donc là, c'est de belles surprises qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui manquent, c'est-à-dire notamment l'équipement. On ne sait pas toujours comment s'équiper, on ne sait pas toujours quoi dire, on ne sait pas toujours comment fabriquer la vidéo. Il y a beaucoup de règles à apprendre et c'est un tout qui est archi complexe. Alors moi, de mon côté, tout ce que je pourrais leur apporter, c'est mon expérience. Je peux dire qu'en 4 ans, j'en ai vu déverter des pas mûrs. Et je vais donc faire des masterclass dans lesquelles j'expliquerai un petit peu mon parcours. Je conseillerai comme je déconseillerai. Voilà, ce sera uniquement basé, comme je le dis, sur mon expérience personnelle.